Best souvenir of Radulov. Mon plus bel souvenir de Radulov, c'était un joueur très excitant, puis un bon gars aussi en dehors de la glace, puis on était des bons amis, mais c'est un très bon joueur. What did Radulov bring to the team? Ce que Radulov a amené à l'équipe, c'était tout. Il avait de la vitesse, il scorait des buts, il amenait de l'excitation, sa glace, l'atmosphère. Les fans étaient dedans aussi à cause de lui. How was he around the team and during practice? Dans l'entourage puis sur la glace, il était très excité, tout le temps de bonne humeur. Il parlait à tous les gars, mais c'était un gars très très de bonne humeur, puis il jasait tout le temps. What were his best qualities as a player? Ses meilleures qualités comme joueur, c'était son talent, sa vitesse, les jeux qu'il faisait, les passes qu'il faisait aussi. Il a scoré beaucoup de buts, il a eu beaucoup de points, mais c'était le meilleur joueur de la Ligue canadienne de hockey, puis il a tout le paquet. What were his best qualities as a person? Ses qualités comme personne, il parle beaucoup, il est très excité, puis c'est un gars qui n'arrête pas de parler. Ça, c'est sûr. You have a funny story about him? J'ai pas d'histoire, mais j'ai des souvenirs. Je m'assissais à côté de lui dans le vestiaire, puis on jasait à chaque jour. Puis on est des bons amis, même aujourd'hui, on se parle encore. Puis ça va être un ami pour longtemps, puis c'est un bon gars. What was the importance of Radulov at the Memorial Cup? L'importance de Radulov durant la Coupe Memorial, c'était gros. C'était un de nos meilleurs joueurs, un des joueurs qui nous a amenés jusque-là. Mais aussi, on avait une bonne équipe. Mais lui, c'était notre gros joueur qui quand on en avait besoin, il était là. Was Radulov the best junior player you ever played with? Oui, Radulov, c'était le meilleur joueur avec qui j'ai joué dans le junior, c'est sûr. C'est un excellent joueur dans le junior, puis je suis sûr dans la Ligue nationale, ça va être un excellent joueur aussi. Yeah, that's it. Let me ask you a couple questions in English. Yeah.